L'urbanisation galopante et les changements climatiques rendent nos territoires plus vulnérables. Dans le meilleur des cas, les chercheurs estiment que les dommages vont être multipliés par 3. Le risque inondation augmente et nous n'avons jamais été aussi mal équipés. La directive inondation incite les autorités européennes à hausser la garde. Une crue centennale n'est pas un maximum, mais un événement moyen au regard des enjeux exposés. On ne peut pas stopper une crue de grande ampleur. Il faut la laisser passer et protéger les sites les plus sensibles, ceux où les enjeux humains et économiques sont les plus importants. Cette technologie nous paraît extrêmement adaptée à la situation que nous avons dans notre port historique. Il n'était pas question d'aller monter des digues, des parapets sur un port qui remonte au Moyen Âge, parce que tout au long de l'année, ça n'aurait eu aucun sens. Donc il nous fallait un dispositif qui soit temporaire, qu'une fois que l'alerte était lancée, on puisse le mettre en place dans un délai raisonnable. La réduction de la vulnérabilité est le point faible des plans de protection inondation. Autorités publiques et responsables d'entreprises sont insuffisamment préparés. Pour protéger un site en zone inondable, on commence par définir une cote de protection cible, au moins centennale. Puis, on assure la protection des réseaux en profondeur avec des vannes ou des ballons obturateurs. La troisième étape consiste à empêcher l'eau d'atteindre les bâtiments. Enfin, il faut pomper les eaux de fuite et les rejeter côté inondation. La technologie de digue mobile Watergate a été testée par l'US Army. Elle est certifiée FM Global.